Chers frères et sœurs, il y a plusieurs décennies maintenant, était paru un ouvrage, j'en parlais au petit déjeuner aux frères ce matin, ça s'appelle « 6 heures à perdre ». Alors l'auteur n'est pas forcément très recommandable, mais le livre est intéressant. De quoi s'agit-il? C'est un officier français qui a été prisonnier dans un no-flag durant la dernière guerre mondiale et qui est libéré. Et qui doit donc faire le trajet entre l'Allemagne et son domicile en France. Et entre deux trains, il se trouve qu'il a 6 heures à perdre. Comment va-t-il les employer? C'est l'argument de ce roman. Oui, c'est pas forcément très épais, mais c'est intéressant. Parce que à quoi il les emploie justement? À rechercher une jeune fille entrevue, Marie-Ange. Une jeune fille dont il est tombé éperdument amoureux. Voilà donc comment seront utilisées ces 6 heures à perdre. Et j'y voyais là comme une belle parabole en écho à celle que nous avons dans l'Évangile. Parce que si je puis dire, nos 10 jeunes filles, elles ont aussi du temps à perdre. Elles doivent attendre en tournant leur désir vers l'époux ou bien en s'occupant à d'autres choses. Oui, frères et sœurs, c'est très concret. Lorsqu'on a du temps libre, entre deux trains, en attendant un rendez-vous, etc., qu'est-ce qui se passe? On fait en général ce qui nous attire le plus ou ce qui est le plus immédiatement accessible à notre désir. Et dans ce grand temps de liberté, ce temps vide, si l'on peut dire, va se mettre à jour peut-être quelque chose de notre désir le plus profond. L'un va prendre son portable et qu'est-ce qu'il va regarder? Les cours de la bourse pour voir où en sont ses serges actions. Un autre va s'arrêter longuement sur Facebook pour saluer tous ses amis. S'il en a 3500, ça peut prendre un peu de temps. Un autre va regarder les résultats de foot de la Ligue 1, c'est quand même important. Et peut-être un autre poussera la porte d'une chapelle. Ou un autre appellera sa femme pour demander des nouvelles de la journée. Et nous pouvons faire le test avec nous-mêmes et puis étendre ces considérations. Parce que notre vie, elle est finalement un peu comme cette longue attente. Attente du retour du maître, mais aussi attente où rien ne pèse sur nous, d'une certaine manière, aucune contrainte. Dieu n'est pas là pour nous châtier, pour nous rappeler à tout instant ce que nous devons faire ou ce que nous devons désirer. Chacun mène sa vie comme il l'entend, conduit son cœur là où il le veut. Et voilà, justement, la différence entre les vierges sages et les vierges folles, c'est que certaines ont un vrai désir. Un désir que l'époux reste présent dans leur cœur en toutes circonstances. Et ce désir des vierges sages, c'est comme un poids. Mon amour, c'est mon poids. Et ce désir les entraîne, justement, dans ce temps libre qui est l'attente. Et les autres, les insensés, eh bien, ce ne sont pas des folles. Ce sont simplement des êtres, peut-être, sans beaucoup de désirs. Si pour certaines, leur amour, c'est leur poids, pour ces vierges insensées, on peut dire qu'elles sont trop légères. Elles ne sont pas lestées, attirées par leurs désirs. Être insensé, ce n'est pas vouloir le mal à tout prix ou rendre un culte à Satan. C'est laisser son cœur, son esprit, son corps même peut-être, être porté par les circonstances, les appels, les invitations du moment. Et sans désir, pour prendre une autre petite image, eh bien ma vie ressemble à un placard vide dans une pièce. On sait bien ce que c'est dans une grande abbaye comme la nôtre. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas tarder à se remplir de tout et n'importe quoi. Sans aucun ordre, sans aucune finalité.
Alors pour les chers jeunes qui se préparent aussi à discerner ce que vous voulez faire de votre avenir au sens large, eh bien, c'est formidable que vous soyez là. Vous êtes dans cette période de l'adolescence. Et il y a un moment dans cette période pour se dire à soi-même, c'est ça que je veux, c'est ça qui m'intéresse, à partir des talents, des dons, de mes goûts qui me sont donnés, ben, je vois que c'est par là que ma vie s'oriente. Alors peut-être que c'est une orientation qui n'est pas définitive, mais qu'est-ce qui est important? C'est que vous aurez appris à désirer quelque chose avec force, avec passion même. Et on le voit bien, nous qui accompagnons des jeunes, quand un jeune a trouvé sa passion, si je puis dire, il est sauvé. Je pense à un jeune qui est passionné par les pompiers. Eh bien voilà, toutes ses vacances, il va les passer à la caserne pour faire de l'entraînement. Et puis c'est un bel idéal, sauver ou périr, c'est magnifique, c'est l'évangile. Donc la vie s'oriente et on ne se laisse pas emporter n'importe où, ni n'importe comment. Il y a une vraie discipline qui se met en place. On garde toutes ses forces pour sa passion. Mais voilà, comment faire pour que ce désir, cet amour, cette bonne passion, elle puisse aussi durer à travers le temps ? Pour ne pas être des hommes et des femmes d'un moment, eh bien la première des choses, il faut que ce désir, il se transforme en volonté. Quand je n'ai plus l'attrait sensible pour ce que j'ai choisi, il faut que la volonté prenne le relais. Et tous les couples qui ont peut-être, si vous me permettez l'expression, quelques kilomètres au compteur ou quelques heures de vol, ils le savent bien. Si le sentiment est le seul guide, eh bien ça va s'épuiser. Le mari doit se redire périodiquement, mais c'est elle que j'ai choisie. Puis ça va aussi pour la femme. Même chose aussi pour notre travail d'une certaine manière. Même chose aussi pour notre foi. Les convertis le savent. Il faut qu'après ces premières grâces sensibles, la volonté, la décision, l'orientation de vie prenne le relais. Deuxième chose, eh bien ce désir, il faut l'alimenter, comme ces vierges sages. Elles ont de l'huile, c'est beau cette image. Pourquoi? Parce que l'huile, ça sert à alimenter la flamme de leur lampe. Que la volonté prenne le relais, ça ne veut pas dire que tout va devenir devoir dans ma vie. Ce devoir austère, le devoir d'État, qui ressemble à une prison d'État parfois. Non, le désir peut renaître si je l'alimente. Là aussi, les couples le savent. Comment alimenter notre désir de Dieu? Eh bien, d'abord par la droiture de vie. Je ne peux pas rêver que je vais désirer Dieu, que sensiblement je vais être porté vers lui si je vis n'importe comment. Notre sensibilité me mènera ailleurs. Vous le savez, si je ne conforme pas ma vie à ma foi, à ce désir profond, je conformerai ma foi à ma vie. Je finirai par désirer la manière dont je vis. C'est aussi un autre moyen qui nous est donné, c'est de passer du temps avec ce qu'on aime. Ça, c'est la prière. Mais c'est aussi valable pour le mari et pour sa femme. Un mari perd tout intérêt pour sa femme s'il ne prend pas du temps avec elle. C'est la même chose avec Dieu. Plus nous passons du temps avec lui, plus nous le connaissons, et plus nous le connaissons, plus nous l'aimons. Une dernière chose, ce symbolisme de la lampe, ces vierges qui vont à la rencontre de leur époux avec ces petites lampes à huile, il est encore plus riche. Pourquoi ces jeunes filles sages peuvent accueillir leur époux comme il faut? Eh bien, c'est tout simple, parce que grâce à leur petite lampe, elles ont reconnu le visage de l'époux dans la nuit. Leur désir
leur sert de lampe. Dans la nuit de notre monde, Dieu ne se présente jamais autrement que comme un visage obscur parmi d'autres. Nous ne rêvons pas à tout bout de champ d'un chemin de Damas pour tous ou d'un Dieu qui nous parle en voix off. Vous vous souvenez comme moi de Jeanne d'Arc, enfin je ne l'ai pas connue, mais voilà. Eh bien, cette Jeanne d'Arc, qui parmi toute la foule des convives dans ce château, sans le connaître, va retrouver le roi qui voulait passer incognito. Pourquoi ? Parce que son cœur le lui dictait. Ainsi pour nous. Le Seigneur passe à côté de nous de mille et une manières. Je vais dans la rue, je vois une chapelle à côté de moi. Ça va être un moment d'ennui ou un moment de rencontre profond avec le Seigneur. Eh bien, c'est mon désir qui va me permettre de répondre. Le Seigneur encore passe dans cette conversation avec mon conjoint. C'est un moment de routine, on va redire toujours la même chose. Ou un moment de communion où petit à petit les cœurs vont s'éveiller. Là aussi, c'est la lampe de mon désir qui permet de trancher. Et sur le bord de la route, ce réfugié, ce pauvre qui tend la main, c'est un problème social ou c'est le Christ souffrant, présent dans ses frères. Là aussi, la lampe de mon désir permet de trancher. Vous voyez, le Seigneur vient à nous de mille manières et comme le dit le livre de la sagesse, le Seigneur ne manque pas de venir à nous. Cette sagesse, elle se laisse contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Oui, elle se laisse contempler, mais par qui ? Par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver, oui, mais par ceux qui la cherchent. Marie, en tout, a cherché son Seigneur et en tout, elle l'a rencontré. Qu'elle nous enseigne cette ferveur, qu'elle nous emmène sur ce chemin où tout notre désir sera pour Dieu. Alors, nous aussi, nous serons ces lampes qui luisent dans les ténèbres et qui révéleront le visage du bien-aimé.